Hey, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est avec tous mes frères et sœurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, tout ça, tout ça. Elle a reçu des produits américains et on va les goûter. Ça fait que tous les produits qu'on a, ils viennent des États-Unis. C'est des trucs qu'on voit dans les films, tout ça. Tes cheveux. Ça gêne. Je t'ai dit d'avancer. Mais pourquoi je me mets un peu sur toi? Mais c'est ce que j'ai dit, tu te mets devant un peu. Non, tu n'as rien dit du tout. Je ne sens pas commencer à exagérer les conséquences. Donc voilà, on voit la petite boîte. Moi ce que j'ai envie de goûter c'est ça. Fluff. Voilà, le fluff, c'est un truc que je vois partout, tout ça, mais je sais pas. C'est un chocolat, Yann, ou pas? Faut mettre ça sur... Faut mettre ça nulle part, on mange. C'est ça toi, NASA. Ah, c'est... Bah oui, c'est du chamallow, mais je suis pas encore fondu. Eh oui. T'as pris une grosse pièce. Ouais, chaque... 1, 2, 3. Ah, c'est doux, hein. T'es vraiment du chamallow. On dirait les yaourts de la litière. Non, mais en fait, j'avoue, c'est bon. Enfin, les yaourts, mais après, à la fin, tu vois, il y a. Mais bizarre de taper ça comme ça. Eh, les ricains, ils aiment trop manger bizarrement. Mais ça. Non, mais j'avoue, dans les tartines, ça peut passer en vrai. Hein. Non, avec du chocolat, genre du Nutella ou un truc comme ça. En tout cas, c'est bien sucré. Claqué, voilà. Non, si, c'est mousseux, genre, j'aime bien. Bon, c'est bon, mais. C'est bon. Vous mettez quelle note sur ça? Moi, sur 10. Moi, je mettrais 8. 7. Moi je mettrais 7,5. J'ai une pote à moi, quand elle a vu ça, elle a dit: quoi, t'as ça? Non, non, non. Donc j'ai envie de tester. C'est dégueulasse. Ah ouais. Et dedans il y a quoi? C'est cookie and cream. En vrai ou quoi? Ouais. Allez, je pense que ça va être comme les autres. Mais faut les chauffer au micro-ondes en vrai, ça, pour les manger. De base, ça tu dois mettre dans un toaster, hein, et tu dois manger. Ah ouais? Mais c'est américain, tu connais ça. Tu sais ça, toi. T'as vu? T'es chelou, toi. Hein? Mais moi, j'ai dit c'est américain, tu me dis, on va faire ça. C'est mieux qu'on coupe. Je vais vous dire comment je fais. Tu vois, NASA, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Ah, MDR. Enfin, c'est bizarre, genre. T'en prends que un, Chena. Ça commence. La gourmandise. Mais je sais pas comment tu goûtes. Ouais, c'est de l'industriel. Ouais, ouais. Voilà, je suis pas fan. Ouais. T'as reçu bon, wesh. Attends, j'ai reçu bon. Moi, j'aime pas. Au début, genre, en fait, la sensation, elle est bien, mais c'est croustillant et fondant, genre. Ça, c'est un problème de gros, vous trouvez tout le bon partout. Hein, bah ouais. Du coup, là, mon frère, il a chauffé les trucs, là, il a goûté. Et t'en penses quoi? C'est surcoté, j'aime toujours pas. Donc là, maintenant, il y a les Reese's. Ça, c'est un truc que j'ai entendu partout. Reese's. Ouais, Reese's. Reese's. Genre, Reese's, tout le monde en parle et tout, tu vois ça partout. Et je voulais toujours goûter, mais vas-y. Vous vivez dans quel monde? Comment ça, tout le monde en parle? Bah oui, c'est juste toi qui connais pas. Ah, oh, vous direz des bénèmes, genre. Ouais. C'est bon? Moi encore. Ah non, c'est pas mal, hein. Ouais. Ça, c'est les Lucky Charms, genre les céréales qu'on voit partout dans les films. Quand t'es petit, tu te dis non, moi aussi je veux ça. Mais ça se mange avec du lait, non? Ouais. Ouais, mais attends, je goûte sans lait et après j'ai cherché. Ouais, voilà, c'est pour ça, pour bien voir le goût, genre. Mais c'est du popcorn. Il dit que c'est du chamallow. J'aime bien les trucs colorés, ouais, ça. La vie de ma mère, c'est dégueulasse. Oh, toi, tu forces. Eh, c'est pas bon. Les abonnés, n'achetez pas ça. Ne faites pas, n'écoutez pas. C'est pas bon, c'est pas vrai. C'est des conneries. Eux, c'est juste parce qu'ils sont gros. Ils aiment trop le sucre. Une fois qu'il y a du sucre dans leur corps, ils sont contents. Mais c'est pas bon. Voilà, non, moi, j'adore. Là, on va tester avec le lait. C'est bad ou ah, merci. Un bizarre. Ah, catastrophe, wesh. Ah, les Américains, ouais, ils sont fous. Ouais. Ouais. Le goût à la fin. Pas de goût, ça a pas de goût, ça a pas de goût. Si, forcé, hein. Ouais. Comment ça, on forcé? Ouais, j'ai du lait. Arrête de parler, arrête de parler. Mais Chena, arrête d'obliger les gens à manger. Déjà, rien que sans le lait, c'est pas de goût. Donc, avec le lait, c'est même pas manger. Moi, quand je vois ça dans les films, je pleure. Pourquoi tu pleures, wesh? Mais t'as l'air trop bon, wesh, quand tu les vois manger ça. C'est la boîte que tu vois, c'est pas le goût. Le seul que j'ai rêvé de manger, c'est le bacon. Tu peux pas manger la télé. Bon, on va mettre un truc qu'on connaît pas. Les Charleston Shell. Le Charleston Chew. C'est bon, d'ailleurs. Ah, on dirait que c'est du nougat, non? C'est bon. Moi, j'aime pas l'effet chewing-gum, là. Ouais, mais c'est bon, wesh. Ah, tu fais genre là, t'aimes bien, comment tu fais genre, tu fais semblant toi? T'sais, on va te laisser avec, tu vas manger en cachette, t'as envie de mentir. En fait, c'est collant, ça me fait penser un petit peu. Il y a un chocolat qui est comme ça. C'est le nougat? Non,
c'est pas le nuts genre un truc. Oui, c'est nuts. C'est pareil que nuts en vrai. Mais en pas nouveau. En version américaine, version pas bizarre. Voilà. Maintenant, on va tester les M&M's au peanut butter. On dirait que les Américains, ils aiment trop ça dans les trucs au beurre de cacahuète. Ouais, ils abusent. Donc les gars. Ah, je goûte en premier. Non, c'est moi qui goûte en premier. Attendez. Il a tout mangé déjà. Alors, pour être franc, c'est exactement la copie conforme de ça. C'est plus le goût de cacahuète. Non, il a plus celui-là, il a plus un goût de beurre de cacahuète que l'autre. Ouais, et c'est plus consistant. Ah, d'accord. Ça, on le sent moins dans le Reese's. C'est exactement la même chose. Pourquoi mettre un emballage différent? Non, mais Reese's c'était à la base, alors que M&M c'est au chocolat. Les Américains, arrêtez de nous prendre pour ce qu'on n'est pas là. Vraiment. Eh, mais il fait trop le mettre en disant. Non. Tu l'emmènes à Carrefour, il achète tous les bonbons, il achète tous les trucs, il fait Harry's. Oui, bonbon. Est-ce qu'on a mangé un bonbon là? Non, mais voilà, l'industrie, lui, il aime ça, donc faut pas le prendre. Non, mais là, ils abusent des Américains. M&M's, ils mettent la même chose, mais c'est juste des emballages différents. Là, il va être terrible. Ouais. 8, je crois. 7,5 pour les M&M's. 6, ça va. 5. Moi, je mets 7. Ouais, t'es grosse. Quoi. Ouais. Combien? Attends, c'est la même qui va mourir aujourd'hui là. Regardez bien sa réaction quand il va goûter ça. Moi, j'en prends 3 d'un coup, comme ça. Est-ce qu'il est prêt? Non, t'as vu, c'est ça, vous? Vous voulez pas dire ce qu'il y a en vrai? Bro, vous. Mais vous si, c'est pas en anglais. Attends. C'est pas en anglais. Il va vomir à moi. Ah Ouais, c'est pas dans l'assiette, ouais, je t'abuse, toi. Non, mais celui-là, il sait pas se maîtriser. C'est grave, hein. Bref, du coup, là, on est revenu. Mon frère, il a gâté toute ma couette. Il y a eu du chocolat partout. Jusqu'à, il s'est changé. Parasite, lui, toujours, il est comme ça. C'est ton problème. J'ai peur. Chamila, elle a pas pris. Elle a pris Chamila. T'as pris? Oui, je mets 0. Lui, il aime bien, lui, fait pareil. T'aimes bien, toi. T'aimes bien les trucs comme ça, toi. Chelou, toi. Quel fou. À l'idée de mélanger du chocolat et de la menthe. C'est comme les chocolats After Eight. Quand t'es petit, il y avait des chocolats cachés ici. Oui. Chocolat à la menthe, c'est dégueulasse. Il faut même pas manger, ça sert à rien. Ouais, non. On va goûter le salé. Piper Crimps and Company, made by Farmers. Karnataka. C'est bon. 1, 2, 3. En vrai, c'est bon. Moi, j'aime. Mais c'est inutile. Ouais, c'est pas les... En fait, c'est bon, mais c'est pas les meilleurs chips, genre. Pour moi, la fin, ça pique. Ça va, c'est bon, mais chacun le sel, non, ça t'est en pas mal. C'est pas maintenant. C'est pour ton père? Non, c'est pour ton père. Oh, le sel, là. Attends, mais. Non, mais non, Dieu. Mais non, Dieu, en même temps. C'est pour ton père? Non, c'est pour mes mères. Il m'énerve, il m'énerve. C'est pour ton père? Non, c'est pour ton père. Dites-le qui le fait mieux. En bref, en fait, pour les amateurs de chips au vinaigre, les trucs comme ça, là vous allez aimer. Encore un chihuahua. Encore la flemme un peu. Hein. Flemme, ça doit être à la c'est prime, le dernier. Hein. C'est au nougat ça. Moi j'aime pas trop le nougat. Charleston chou au nougat emballage rouge. Mais Charleston c'est un prénom. Ah hey. Ah c'est bon, je vais. Il est fou, hein. Bah, c'est non, à la fraise, mais... en fait. Mais c'est du colorant, quoi. Eh prochain truc, qu'est-ce que ça va être? Les fiches. Pourquoi c'est elle qui décide? Mais toi, t'as quelle bah, parce que toi, vous dites rien, vous êtes là. Bon, forcément, je goûte en premier parce que... Oui. On aura un avis tranché dès le début. Cette montre. Tu passes de vite à Shaina. Quoi passe? Ah, ça là. Arrête. Voilà, c'est trop bon, wesh. Ah ouais, ça fait penser aux sneakers. C'est rare, c'est trop bon. 11 sur 10. Il y a de la cacahuète riche en caramel et en nougat. 10 sur 10. Donc, ouais, bah, c'est, en fait, c'est comme un sneaker, je pense. Bref, moi, j'aime bien, mais sans plus. Comment ça? Franchement, je préférerais toujours les sneakers. Ouais. Hein, pour nous, en France, ouais, mais c'est français, le meilleur mais... produit qu'on a goûté pour l'instant. Non. Un butterfinger, donc un doigt de beurre. Un doigt au beurre. Un doigt au beurre. Chimera,
Pourquoi? Ouais, t'as vu? Pourquoi? Ah, t'ouvres le prochain, t'ouvres le prochain. Ah, du coup, c'est comme ça. Ça me dirait qu'il baille. Oh! Ah, mais. Je fais pas ça dans ma bouche, moi. Ah! Et? C'est chelou! Oh, c'est trop sucré en fait! Il y a du Birmanie ou quoi dedans? Voilà! C'est trop sucré, enfin c'est trop. Allez, voilà, les Américains, on vous le dit. En fait, ça va. Fais quoi là, wesh? Crée, toi t'aimes bien. C'est trop chaud, toi. Mais t'as t'aimes bien, wesh, ouais, j'arrête. Mais laisse-moi. Tu me sens de cracher, t'aimes bien. J'aime pas, j'aime pas. C'est faux. Arrête de mentir. Laisse-moi. Laisse-moi sentir. Je calcule pas. T'as goûté? Non, je peux goûter. Je goûte. Non, c'est mort. Et crache pas. Goûte en vrai. Pas, je veux pas. Si je crache, vous m'aurez forcé à goûter ces conneries. Non. Ces conneries. C'est vrai, c'est bon, c'est expert. Tu craches dans l'assiette. Oh. Croque bien. Croque bien. Vas-y, croque. Voilà, c'est bon. Et ce qu'ils ont dit, crispy, crunchy, peanut buttery, wesh, mais c'est super, wesh. Ouais, crispy, ouais, c'est ouais. C'est vrai qu'en bouche, c'est en mode... Mais qu'est-ce que tu fais, toi? La tête d'homme, c'est bon. Tu vois, lui, il veut toujours aller à l'encontre. C'est pas sur ce que la tête d'homme, c'est bon. La tête d'homme, c'est bon, wesh. Du coup, là, le prochain truc, c'est le Hershey Candy Cane. Ah, Hershey, c'est grave connu. Menthe candy. Enfin, menthe, bonbon à la menthe avec des petits... Ah, les petits points, là. Ah, les petits points, là. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, non, ça goûte de la... Ça sent la menthe. Ah, la flemme, la flemme. Mais je veux ah, faut ça, faut ça. La flemme, la flemme. Sors, c'est les bonbons que j'ai vus, là. Il y avait des bonbons. Ah. C'est bon. Goûtez même, c'est plus doux que l'autre, mais c'est dégueulasse. Oh, y'a un bail. Zéro encore, zéro. Tiens. Je crois que ça pique dans la bouche. Ouais, ça fait des tangs. Ouais, je vois. C'est bon, c'est un KitKat. Ouais, je vais passer au KitKat. Bref, 6, allez, suivant. Mais le chocolat, il est pas bon. Badou. Allez, suivant. Ouais, ça fait les petits trucs dans la bouche. Les sucettes là qu'on met dans la poudre là. Voilà, avec ton c'est ton ton. Ah, c'est de... Mec, c'est du ça. Chocolat, les yeux, ils sont. Les Américains, franchement. Ah. Arrêtez de les envier. Hein. Ça fait des festivals dans ma bouche. Bon, maintenant un truc un peu plus doux. Des Swedish fish, donc des poissons suédois, c'est ça? Moi j'en prends un rouge. J'ai un pote qui m'en a ramené des États-Unis, j'ai déjà goûté, moi je mets 10 direct, c'est trop bon. Moi aussi. Non, du coup, forcément. Voilà, t'abuses, toi. C'est ça ton problème. Non, mais goûte le rouge, le rouge il est bon. J'ai goûté le rouge, c'est normal. Le orange, j'ai même pas goûté. Ça, c'est quoi ça? Un spray. C'est un spray à mettre. Ah oui. Ayane, ça y est. C'est rentré dans mon nez carrément, wesh. C'est la pastèque, mais archi acide, genre. Bref, ça c'est un produit classique, vas-y. 6, 7, 7. Mais on a déjà fait, ouais, vous le faites encore ça, mais c'est elle dit encore pourquoi. Voilà. Tu vois. Bon, vas-y, la note. Chaque ça, comment elle a fait. Commence la note. 10. Oh là, c'est fausse note là. Quoi, wesh. 8 ou 9, 9. 10, c'est que j'ai rien à reprocher. Moi je mets 7 parce que 7, c'est trop acide. Mais c'est classique. Du coup, tu profites pas du goût. Des Boston Baked Beans. Montre. Montre à la caméra. C'est quoi ça? On dirait du poivre. Pour les candy coated peanuts. Wouah, ça c'est un truc bizarre ça. À trois, on goûte tous en même temps. 1, 2, 3. Ça fait penser aux petites cacahuètes là que les gens ils vendent dans les gars. Je suis un badass. Parce que c'est pas extraordinaire. Moi aussi 6. Ça, les nerds. Ah oui. Ça c'est comme les Ouba Ouba Bubble Band là, l'ancienne. Je sais pas si vous avez connu. Peut-être vous êtes trop jeune. Ah, du coup c'est des chewing-gums? Non, c'est pas des chewing-gums, c'est des bonbons. Ouais, ouais. Tiens. Tiens ton bébé. Maman, j'ai fait le million. Eh, faut pas mettre dans le retour, faut mettre dans la caméra. Ah, il l'a mis dans le retour, ouais. C'est quoi le retour? Le retour, c'est là-bas. Faut faire sur la caméra, sur l'objectif. Ah, carrément, je suis un ouf. Attention, là, c'était une glace. 1, 2, 3, moi je goûte tout. Mais faut mettre tout dans la bouche. Mmh, au fruit. Ouais, goût de TikTok quoi, enfin des bonbons normaux quoi. TikTok. Ouais, des TikTok. Ah, mais j'aime bien quand tu croques la poche, c'est. Mmh, oui, ça fait acide, ouais. Moi, ça fait ouais.
Mais là, attention à ce qui paraît. Le petit truc. Ce qui paraît, ça, c'est les meilleurs bonbons. Ça fait partie des meilleurs bonbons. Ça, c'est quoi? C'est la barbe à papa. Mais c'est bizarre en sachet, wesh. Vous, les Ricains, ils sont trop dans leur délire. Tout en sachet, genre. Tout en sachet, wesh. Calme. Nous, on peut pas du rugby pour rien. On avait déjà tous mis notre force, wesh, c'est de la triche. Qui n'a pas de force? Ouais, on a déjà tous mis, wesh. Ah, c'est quoi ça? Regarde. Ah. On dirait un petit caca. Vas-y, prenez un bout. 3, 2, 1. Oh, pardon. Mmh. C'est le vrai goût de la barbe à papa, mais c'est moins léger. Du sucre. Alors voici une sucette mignon, swirly pop artificially flavored à la banane. C'est à la banane. Vas-y, truc à Disney là, claquette. Y'a quoi? Tu suces quoi? Tu suces ton bleu. Ouais, non, ça a pas vraiment dit. Voilà, d'accord. Mais là, non. Y'a pas dedans, toi. Y'a même pas dedans, mais je. T'es bête ou quoi? C'est bon ou pas? Ensuite, on a les Jelly Belly. Donc, ça, c'est la base. Je pense que tout le monde connaît. Bon. Ouais. Non, on tire pour chacun. Moi je tire pour toi. On ferme les yeux. Chamila tire pour Shaina. Shaina tire pour moi et toi tu tires pour. Moi je tire pour Chamila. Ok, tire pour Chamila. Aïe, j'ai. Mais on regarde pas de toute façon. On regarde. Chamila tire pour Shaina. Ça c'est pour moi. Tire-moi pas un bail chelou. Et ça c'est pour Hassan. Oh. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas, mais c'était bon. Big Lick Chou, c'est des chewing-gums à la barbe à papa. Ah ouais, encore. Wesh, on dirait des fils, des cheveux. Ouais. Ah, ça me donne envie, j'aime bien. Vas-y. C'est Malabar goût barbe à papa, quoi. Ah ouais. C'est bon. Ça, c'est des gligums. En gros, c'est des chewing-gums sans sucre. Naturel, c'est au citron. Mais c'est chewing-gum naturel en vrai. Ouais. Mais même si eux ils disent sans sucre, on me dit. Ouais, un dérivé de sucre, genre. Ah, c'est froid. Moi, c'est frais, genre. Moi, ça va, il est bon. Ouais, mais je me siète quand même. Là, j'ai pas eu trop de café. 8. Bref, le dernier truc qu'on va tester, c'est le Coca Vanille, mais on a déjà goûté. En vrai, il y en avait en France. Ouais. Moi, j'ai goûté quand j'étais petite, tout ça, mais après, depuis, j'ai pas goûté, donc. Déjà, c'est bon le Coca Vanille. Ouais, si c'était bon, moi je me rappelle, je kiffais. Hein. Vas-y, goûte-toi. Mais j'aime pas trop le coca à la base, mais comme ça a l'air sucré. Vas-y, mets ta bouche. C'est du coca. C'est juste, c'est du coca sans sucre. Mais qu'est-ce que. Pas dormir, toi. Mais c'est pas bon, il est mieux celui de France. On sent pas la vanille, on sent plus. C'est les Américains. Ouais, en France, tu lui étais bien. On sent plus la vanille. Arrête. Attention. Donc bah voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, tout ça, je sais pas. En tout cas, vous en avez pensé quoi? Des trucs. C'est quoi votre conclusion? En englobant tout, de manière générale, il y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment, c'est du sucre. Non, ils sont trop dans le sucre. Et beaucoup d'industriels, voilà. Vous êtes trop dans le cliché, vous faites trop craquer. Parce que vous, ce que vous mangez, Snickers. Non. C'est la même chose. Non. Non. Non, mais en vrai, quand tu regardes. Beaucoup de cinéma. En vrai, quand tu regardes. C'est du cinéma. Concrètement, ça. On barre un bonbon qu'on a. Toi, tu vas offrir une barre entière comme ça à une seule personne. Ouais, eux, c'est plus gros, genre. Ils sont trop dans l'extravagance bizarre. On est simple, on n'arrive pas à la finir. Voilà, le verdict des bio, or que tous les jours, ils mangent des grecs et des je sais pas quoi, mais bref. C'est pour ça qu'ils ont les meilleurs danseurs, ils sont tous excités là. Si vous avez pas aimé la vidéo, likez pas. Arrête. Likez pas si vous avez. Make me introduce you to fine dining. Put you in a Louis, not just a Bali. Sweat out your ear and give you money. Girl, you spend too much time whining. Make me introduce.